table, qui c'était sous la forme du prince, comment dire, dit à Dahu, si tu veux, je ferai de toi la plus belle des princesses et t'offrirai davantage, voire plus que ton père le roi, ah oui, si tu me donnes les clés de la ville. Alors là, forcément, Dahu va voir son père endormi, lui prend les clés de la ville et à l'heure où le diable lui dit « Ouvre les portes de la ville à marée haute » et là la ville fut engloutie. Alors là, forcément, elle comprit qu'elle s'était fait berner, oui, quoi, par le diable. Et du coup, bah, y a le, comment dire, le roi Gralon prit son cheval, qui est un cheval magique qui courait sur l'eau. Alors il s'enfuit avec Saint Guénolé, qui est lui venu d'Irlande, du pays de Galles, hein, du pays de Galles, je crois. Et en fait, il s'enfuit. Et il y a Dahu qui s'était cramponné à la queue du cheval. Mais Guénolé, se tournant vers Gralon, lui dit « Fais attention, cette fille a été séduite par le diable et est devenue diablesse. Laisse-la. » Et du coup, elle fut abandonnée quoi, par son père qui voulait sauver sa peau. Oui. Et donc, en fait, on raconte après que Dahu se transforma en sirène et qu'on entend encore ses cris ou ses voix dans la baie de Douarnenez. Serait englouti la ville d'Ys. Ah oui. Voilà. Oh là là, belle histoire, belle histoire. Il réussit à s'en sortir et c'est ainsi qu'il nomme évêque Corentin, hein, oui, l'un des premiers évêques de Quimper. Premier évêque. Et ah oui, qui fonde ainsi sa première cathédrale. Il est enterré où, le premier évêque? Alors, je sais pas si ça se dit enterré, il y a un mot plus technique. Exhumé. Exhumé, ça doit être ça. Il est je crois qu'il est dans la cathédrale. Oui. Et ouais, on a vraiment ainsi la première cathédrale, parce qu'il faut savoir ici que c'est pas la première. Il y eut avant une cathédrale romane et c'est la plus connue des précédentes. D'accord. Une cathédrale, c'est là où on ira après. Moi je dis pas après, je dis après. Mmh. Parce que les Bretons ils disent en et. Ah oui. Et t'as la petite charpente que tu peux photographier là, magnifique. Ah oui. Prends-le. Attends deux secondes, parce que je vais faire un snap. Ouais. Fais le petit snap. C'est hyper intéressant. Ah oui. Voilà, et là, vous avez à la base, regardez ça. Wow. C'est lourd. Alors là, donc, vous avez la vieille ville avec Saint-Mathieu. Ouais. Saint-Mathieu, vous avez les Halles, là, ici. Les rives de l'Odé, et on a la campagne qui est tout près parce que Quimper en fait c'est une... Attends, j'arrive. Est-ce que je vais me casser la gueule? Je te le souhaite pas en tout cas. C'est quoi ce bac de pierre? C'est pour les faucons. Ah merde. Avancer dans 2 minutes. Allez, hop. Ça va sonner. 7 coups. Arrête de te protéger les oreilles, t'as peur des cloches ou quoi? Oh. ça fait rien. C'est tout? Il pouvait pas être minuit déjà, tu sais le gars. Je voulais 12 coups moi. Attends, je vais en face, comme ça je te verrai. Reste où tu es, ne bouge pas. Ne bouge pas d'où tu es, c'est moi qui bouge. Ah, ça vaut une photo, ça bougeait pas. Attends, je faisais une vidéo en plus. De l'autre côté, donc dans le nord Finistère, la Brest évidemment. Il y a des jolies choses à voir là-bas aussi. Faut aimer un peu les villes reconstruites d'après-guerre quoi. Par exemple, on a l'église Saint-Louis qui est un édifice contemporain. Mais j'aime bien personnellement, elle est très grande. Elle peut même, d'après mon ami Luc, recevoir plus de fidèles qu'ici. La vache. La cathédrale Saint-Corentin, édifiée au XIIIe siècle dans le style gothique rayonnant. Ce chœur a fait l'objet de très grandes restaurations au XIXe siècle et nous y trouvons notamment ce magnifique ciborium néo-gothique avec, bien sûr, des émeraudes, des rubis et toute une iconographie religieuse dorée à la feuille d'or. Vous avez donc le Christ enseignant, évidemment, avec différents saints qui l'entourent. Vous avez Saint-Pierre par exemple à gauche avec sa clé, Saint-André avec sa croix, et vous avez comme ça une suite de personnages de l'église et la crucifixion qui domine le tout avec le Christ encadré de Marie à gauche et de Jean à droite. Voilà. Et là vous voyez bien sûr la nef vue du cœur. D'ailleurs, je précise que pour l'histoire du cœur dévié, c'est en fait dû à... il y a plusieurs hypothèses en fait pour le cœur dévié. On raconte que ça pourrait symboliser la tête penchée du Christ, mais la version la plus plausible, si j'ose dire, c'est le fait qu'on a construit le palais épiscopal qui suit le cours de l'Odé et il y eut également des terrains marécageux. Et de ce fait, au XVe siècle, en fait, eh bien, il a fallu construire la nef et le transept, pas tout à fait dans l'axe du cœur. Voilà. Merci pour ces petites précisions. cher ami. Là, vous avez un très beau, bel hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis jamais loin, les amis. Faites un coucou à la caméra. Apparemment, je ressemble à Louis XVI, d'après les amis ici présents. Voilà. Ouais. Avec notre ami le Grand Orgue. Je descends. Oh, l'arrivée fulgurante, mon ami. T'as raté. Bonjour. Bonjour. Salut. La plus belle cathédrale du monde. Vas-y, avance. Allez. Magnifiquement bien. Waouh. Rénovation de la façade dans les années 70, ça s'est ressali, puis maintenant heureusement elle est toujours blanche parce qu'on a des systèmes anti-pollution pour les pierres. C'est moi ou il pleut moins? Je crois qu'il pleut un peu moins. Dans ce cas-là. Alors, éclair ou ça va? Non, ça va le faire. Fais pas par pas. J'ai aucune main de libre, mon ami. Pas par pas, tranquille, on est en bas. Oui. Et j'aimerais que tu me laisses passer en... Pardon. En premier pour que je puisse faire ma vidéo sans qu'il y ait personne dessus. Bien sûr, pas de problème. S'il y a possibilité, tiens. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est pareil, ça c'était pas fermé, du coup on laisse comme ça. Wesh. Bah tu peux la repousser, ça coûte rien. Oui. Okay. Excuse-nous, hein. Non, je veux dire, t'as fait vite parce que je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu là-bas et t'as déjà fait le tour. Oh là là là, regarde-moi ce coucher de soleil. En heure bleue, s'il te plaît, avec la cathédrale allumée. Oh là 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 là. Quand même. Et oui, Quimper, Ville d'Ys. Attends.